Bah, on connaît qui le même il commence à la fiche de campagne au niveau national. On nous dénonce un cas d'abus de corruption qui est dans le gouvernement. Et hier, la police fanfaron qui arrête nos bandits et qui nous dit qu'ils n'ont pas un droit pour l'affiche là. Nous finissons insister, nous disons que l'affiche est parfaitement légale. Et là, non. Il y a un même lot là, c'est nous qui avons la responsabilité. Et aussi, il y a non l'imprimé. Dans le col de l'affiche. Et là, demain matin, nous trouvons que toute l'affiche est déchirée. Nous disons, on fait une enquête, on connaît exactement qui s'en est déchiré de l'affiche. C'est qui est plus grave. Ben, la police est là, finalement, informe de nos rameaux. Oui, comme on a dit, la BMI, qui nous est là depuis là-haut. Là, on a envie de connaître ça, ça là-haut. Il y a trop beaucoup là-haut. Il y a tout décor là-haut, même là-haut. Ok, merci. Mais dis-moi, combien il faut de la question arrêter ou la tour d'une nouvelle pour vous? Non. Non, non, non. En fait, il y a les temps d'une interpellation, mais les temps d'une arrivée. Et il y a tout le monde qui l'affiche là parfaitement légal. Et là, je dis moi, qui l'autre vient depuis là-haut. Et là, mon camarade, là, il les autres. Et moi, ce qui m'a envie de dire, c'est qu'il dénonce sa tentative du gouvernement pour servir la police pour intimider. Pour un timide 20 militants, le petit cause changement, mais on vous trouvez qu'il n'y a pas de changer, au contraire, peut-être un pire. Parce que l'autre vigne depuis là-haut, là, et continuer des plus belles. C'était bien qu'il y a ça. C'était hier dans la soirée, après Nevers, mais nous, nous continuons nos campagnes d'affichage aujourd'hui. Après, ce qui nous passait la dernière fois, on était à la station, à cause de la fête d'affichage. Est-ce qu'il peut continuer pour l'affichage? Oui, parce que l'affiche est parfaitement légale. Il y en a nous même, il y en a nous l'imprimeur. Nous pas des colsons cachés, mais nous colsons publics devant la police, l'Oban Billboard. Il empêche nous de faire du travail. Et là, aujourd'hui, on dénonce cette attitude-là. C'est comme je dirais, nous donne un régime totalitaire. Et il est dangereux pour le pays. Okay, merci.